Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire cette vidéo pour faire la revue de ce Diamond Painting que j'ai eu comme deuxième partenariat avec la boutique Myth of Asia, pardon. Donc j'ai commencé le 7 janvier 2023 et je l'ai terminé aujourd'hui, donc le 22 février 2023. 2023, pardon. Donc on avait 39 couleurs. Donc je vous remontre la liste. C'était surtout alphanumérique, mis à part les quelques symboles qu'on avait en dernier. C'est un 40 par 50 sans les bords. C'était de la colle coulée, la toile était pailletée. Voilà. Les diamants sont en résine hein, chez Myth of Asia. La protection était bien. J'ai eu besoin de la tablette surtout pour les coins comme surtout les coins foncés comme en bas et là-haut. Voilà. Ensuite, c'était surtout pour la lettre K, parce qu'elle était très... On la voyait pas à l'œil nu. J'arrivais pas bien la lire à l'œil nu. Les diamants brillent beaucoup, hein. Je vais vous montrer. Il y a un peu de pop, mais moi je m'en fiche parce que j'ai passé un bon coup de rouleau. Et vous voyez, ça pop, mais ça peut le faire quoi. Voilà, je veux dire, vous passez la main, il n'y a aucun diamant. Donc ça pop, il n'y a aucun diamant qui part. Voilà, hein, vous voyez, je peux vous montrer. Hein. Voilà, il n'y a rien qui est parti. Vous voyez, hop, je vous montrerai l'en dos après. Il y avait beaucoup de blocs, notamment dans les couleurs foncées. Ici, là, il y avait du bloc. Là-haut, ici en bas. Voilà, après, ce que je trouve dommage, que j'aurais dû prendre en plus grand, c'est qu'on ne voit pas bien, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais normalement, le petit truc jaune, là, c'est un genre d'oiseau, et là-bas, on voit, c'est pixelisé, hein, je vais vous montrer, mais voilà. Ce que ça rend. Et le visage aussi est pixelisé. Ainsi que sa main. On voit les définitions, on voit bien ses jambes. Mais la main, vous voyez, vers les doigts, c'est pixelisé. Bien sûr, il y a quelques écarts entre les diamants. Quand on a de la lumière à l'arrière. Mais sinon, voilà, vous voyez là où il y a quelques écarts. Mais sinon, ça va. Pour rappel, on a bien sûr une légende. En haut à droite et on avait la taille et le numéro de modèle en haut à gauche. Voilà, là nous avons sur le coin de la toile leur compte Facebook et leur boutique qui est en Irlande et en Allemagne. Voilà. Ça c'est bon. Donc voilà pour ça. Ensuite, en déchets, j'en ai pas mal. Mais après, j'ai eu assez de diamants pour faire la toile. Donc pour moi, c'est pas trop trop grave. Voilà tout ce que j'ai en déchets. Mais ce n'est pas grave vu que j'ai eu assez pour faire la toile. Ça c'est bon.
L'endroit de la toile, je peux vous le montrer aussi, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez au complet. Voilà. Il me reste dans toutes les couleurs. On a ma boîte Tic Tac et là-dedans. Donc on va regarder. Alors dans ma boîte Tic Tac, je mettrai tous les liens de l'unboxing de ce Diamond Painting. Les loin de mon rangement. Et voilà. Ça c'est un sachet. On s'en fiche. Il nous en reste. Donc là. Dans ces deux couleurs. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Là, dans ces quatre couleurs. Donc celui-là il m'en reste ou pas? Ah non, ça c'est une boîte qui était vide, j'ai fait exprès, désolé. Alors il m'en reste. Dans ces quatre, il m'en reste. Alors, si tombé, c'est pas grave. Dans celui-là, il m'en reste aussi. Là, il m'en reste. Je ne montrerai pas dans l'ordre, pas forcément. Ensuite, ces trois couleurs, il m'en reste. Bon, il y en a certains, c'est pas que j'en avais pas assez, c'est que j'allais pas ouvrir un sachet. J'attendais vraiment que, en fait, le contenant soit vide pour mettre un sachet à chaque fois. Ça, c'est encore une petite boîte vide. Donc ces trois, il en reste. Voilà. Donc cela. Hop, il m'en reste aussi. Donc cela aussi. Je vais commencer par ranger un peu. Donc ces quatre aussi. Il en reste ici, ici. Voilà. Du C, il m'en reste, mais je ne vais pas le garder car je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Mais j'ai mélangé deux teintes. Donc celui-là, clairement, je vais le jeter. D'ailleurs, je vais le mettre là. Dépêche un petit peu. Tac, tac, tac. Je vais vous montrer ce qui reste dans le sachet là-bas. Mal mise.
Et là-dedans, il en reste à peu près une vingtaine de sachets de 939. Il nous reste ça, un petit de 819, tout ça de 38-34. Il y a des couleurs où je pensais que j'aurais pas assez, du coup que j'avais pris dans ma réserve. Et finalement, je ne m'en suis pas servi, pareil. Il me reste ça. C'est deux. C'est 3 et celui-là. Voilà pour cette revue. Donc du coup je remercie encore Mythophasia pour m'avoir envoyé cette toile. Je ne gagne rien mis à part faire les choses qu'il m'envoie pour vous montrer le positif comme le négatif. Voilà, je préfère le mentionner. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!